Bonjour, je m'appelle Thomas et je vais vous guider dans cette méditation qui, je l'espère, vous aidera à vous endormir paisiblement. Le sommeil est un moment important de notre vie, peu importe qui nous sommes. Le sommeil permet à notre corps de guérir et à notre mental de démêler les problèmes qui nous préoccupent, nous permettant ainsi de créer notre futur. Nos pensées peuvent nous empêcher de dormir. Elles se font bruyantes et répétitives quand nous essayons de nous endormir. Elles peuvent nous garder éveillés alors qu'on ne rêve que d'une chose, pouvoir nous endormir et nous reposer. L'hypnose et la méditation sont des moyens merveilleux pour modifier les ondes cérébrales et atteindre une fréquence proche de celle qui correspond au sommeil. Ceci permet au cerveau créatif de s'activer et de commencer le processus de manifester vos désirs. Est-ce qu'avoir une bonne nuit de sommeil est important pour vous? Oui. Complètement. Le sommeil est notre état de repos et être réveillé est un état actif. Il doit y avoir une bonne alternance entre se reposer et être actif pour pouvoir achever les buts que nous nous fixons dans une journée. Est-ce que vous êtes prêt à aller vers un état de relaxation ? Qui vous permettra d'avoir un sommeil profond et récupérateur? Alors maintenant, regardez devant vous et trouvez un point sur lequel fixer confortablement votre regard. Regardez ce point et ne laissez pas vos yeux s'en détacher. Alors que vous fixez ce point, je vais compter à rebours de 10 à 0 et je vais vous demander de cligner doucement des yeux à chaque chiffre que j'énonce. Ok, 10, clignez des yeux. 9, clignez des yeux. 8, clignez. 7. Clignez. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et 0. Vos yeux sont prêts à se fermer doucement. Et permettez-leur de le faire et observez comment une douce vague de relaxation s'installe quand vous fermez vos yeux. Maintenant, imaginez que devant vous se trouve un escalier qui descend et qui a 10 marches. Ces marches vous permettront d'atteindre un état de détente propice à un sommeil récupérateur. Quand je commencerai à compter jusqu'à 10, vous commencerez à descendre les escaliers en vous sentant de plus en plus détendu à chaque marche que vous descendez. 10. Commencez votre voyage vers une nuit de repos. 9. 8. En vous sentant relaxé
à chaque marche que vous descendez. 7 6 5 De plus en plus calme. 4 Le mental de plus en plus détendu. 3 2 1 Alors que vous descendez la dernière marche, vous vous retrouvez les pieds sur du sable blanc. C'est tellement doux et chaud sous vos pieds. Sentez les sensations que vous procure ce sable chaud sous vos pieds. Maintenant, levez la tête. Et tout ce que vous voyez, c'est du sable devant vous. Mais vous pouvez entendre le bruit de l'océan. Marchez en direction du bruit de l'océan. Et alors que vous marchez, vous pouvez sentir le soleil sur votre peau. Peut-être que vous sentez également une légère brise. Vous remarquez l'odeur de l'air salé. Et alors que vous regardez autour de vous, vous voyez l'océan apparaître au-dessus d'une dune de sable blanc. Vous marchez en direction de l'océan maintenant. Et vous remarquez que le sable sous vos pieds devient plus ferme parce qu'il est saturé d'eau de mer. Vous arrivez sur la rive, là où l'océan rencontre le sable, et vous voyez de petites vagues aller et venir. Allez et venir. Et alors que les vagues vont et viennent, vous voyez des choses dans le sable, comme des coquillages, des morceaux d'algues, vos propres empreintes de pieds. Et vous voyez un petit morceau de bois d'une taille parfaite pour écrire dans le sable. Maintenant, ramassez ce morceau de bois et écrivez votre nom dans le sable, là où c'est humide. Écrivez chaque lettre et notez le son que cela fait quand vous grattez le sable avec le morceau de bois. Thank you.
Bien. Maintenant, faites un pas en arrière et regardez votre nom écrit dans le sable. Et alors que vous regardez le nom qui vous a accompagné tout au long de votre vie, vous voyez une vague s'approcher et elle efface une partie de votre nom avant de retourner à l'océan. Une autre vague arrive et elle efface une partie de ce qu'il restait de votre nom. Et une autre. Et une autre. Jusqu'à ce que votre nom soit complètement effacé et qu'il ne reste que de petites vaguelettes là où se trouvait votre nom. C'est bien. Et maintenant, continuez à marcher sur la plage et observez les alentours. Quelle sorte de son entendez-vous? Est-ce que vous pouvez entendre le cri des mouettes au loin? Ou le vent soufflant doucement? Est-ce que vous pouvez sentir la chaleur du soleil sur votre peau? Quelles sensations vous procure le sable sous vos pieds? C'est agréable, n'est-ce pas? Peut-être que vous arrivez aussi à sentir l'odeur de l'océan. Maintenant que vous avez fait cette agréable promenade sur la plage, vous sentez que vous avez envie de vous reposer et vous recherchez un endroit où le faire. Vous regardez autour de vous et vous apercevez un arbre avec un ample feuillage. L'endroit parfait pour vous allonger et faire une petite sieste. Vous vous allongez à l'ombre sous cet arbre. Une légère brise vous rafraîchit. Avant de fermer les yeux, vous regardez l'horizon. Là où le ciel et l'océan se rejoignent. C'est une scène magnifique qui vous remplit le cœur de gratitude et de joie. Vous fermez les yeux et doucement, vous glissez dans le sommeil, naturellement bercé par le bruit des vagues. Vous vous laissez glisser vers un état de sommeil profond qui vous permettra de vous sentir reposé au réveil.
bonne nuit et à bientôt.